j'ai beaucoup de joie ce soir. J'espère Amen. Que vous rendrez joyeux et que je vais vous apporter de la joie et un peu d'amour. La France en a terriblement besoin. Vous savez quelle est la chose la plus précieuse que vous avez sur Terre? C'est votre cœur. Vous pouvez avoir les maisons, l'argent, la famille, mais si votre cœur est triste, vous ne serez pas heureux. Vous savez, votre cœur, en fait, c'est la chose que je ne vois pas. Vous savez, vous avez des merveilleux visages, hein, mais moi, je veux parler à votre cœur, je ne vois pas votre cœur. Et c'est la chose la plus importante. Et vous savez ce qui fait battre le cœur? C'est tout simplement l'amour. L'amour, c'est l'essence du cœur. Sans amour, on va être triste. La haine, la colère, le manque de joie, la rancune, ces choses-là qui sont terribles. Vous savez, c'est important de parler d'amour en France. Il y a un divorce sur deux. Regardez sur Internet, hein. Prenez vos téléphones. Combien de divorces par an en France? Un divorce sur deux. Alors, comment te parler d'amour? J'ai compris que quand tu vas sortir, ça veut dire que l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, c'est limité. Donc après, j'ai parlé d'amour sur lui. Quand on parlait d'amour limité, je vous donnerai un sac de petits versets. La Bible dit, gardez à temps et vénément qu'il a donné son fils Jésus-Christ, afin que tout tombe en lui, ne périsse point, et la vie éternelle. S'il te plaît, retiens ces trois choses, ça pourra guérir ton cœur. La première chose, c'est que tu es tant aimé. Oui, tu es tant aimé. Vous savez, souvent l'amour c'est réciproque, mais là, tu es aimé pour ce que tu es de l'intérieur. La deuxième chose, c'est que tu as un grand prix. La Bible dit qu'il est venu mourir à la croix pour nos péchés, afin qu'on soit pardonné, et qu'il nous a rachetés d'un grand prix. Ne laissez personne vous faire croire si vous faites que vous n'avez pas de prix sur terre. Vous avez un grand prix. La dernière chose, c'est que vous avez énormément de valeur à ses yeux. Vous savez, moi, quand j'étais petit un jour, il y a quelqu'un qui m'avait critiqué et tout, et je me sentais moins que rien en fait. Et c'est ma mère qui m'avait soulagé. Mais lorsque j'ai compris que Jésus m'aimait plus que tout homme sur la terre, ça a changé ma vision. J'ai compris en fait que j'étais un être aimé, pas parce que je ferais le bien ou le mal, mais parce que j'étais de ce que j'aime. Amen. Troisième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Et en fait, en Jésus, franchement, vous trouvez de la paix dans ce monde. Les guerres, gilets jaunes, les jeunes, tout cela. Est-ce qu'il y a la paix? Honnêtement, non. Mais Jésus-Christ, il dit qu'il est le prince de paix. Il est celui qui va donner de la paix dans ton cœur. Quatrième bonne nouvelle. Il dit que, tout simplement, à quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle. Croyez-moi, pour avoir cette vie éternelle pour ton cœur, c'est simple. Il suffit tout simplement de demander pardon pour les erreurs qu'on a faites. Moi, j'en ai fait plein des erreurs. Et j'étais condamné, en fait, ces erreurs-là. Non seulement elles me condamnaient, moi, mon propre cœur, ça me faisait du mal, mais je faisais du mal à l'autre. Cinquième bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on se repent, il nous promet cette vie éternelle. C'est-à-dire qu'il nous pardonne tout. Les hommes se condamnent, en fait. On se condamne pour le mal qu'on fait, mais il dit, il n'y a plus de condamnation, en fait. Il n'y a plus de condamnation pour ton cœur. T'imagines, quelqu'un qui vient et te dit, qu'importe le mal, le bien que tu fais, parce que tu t'es repenti sincèrement, tu es pardonné. Moi, j'ai jamais trouvé ça sur terre. Jamais ça sur terre. Et sixième bonne nouvelle et la dernière, la prière de repentance. La seule prière que je vais faire pour toi là, pour ton cœur, peut-être tu peux la faire avec moi, peut-être ce soir, un jour quand tu veux, mais fais-la. Elle promet la vie éternelle. Et Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu étais mort à la croix pour mes péchés. Viens sauver mon cœur. Je te demande pardon pour toutes ces mauvaises choses que j'ai pu faire envers moi-même, envers les autres. Mais j'ai appris que tu étais venu mourir à la croix parce que j'avais un grand prix à tes yeux. Change ma vie, change mon cœur, transforme ma vie. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Hey, ça a duré 30 secondes, croyez-moi. Mais elle vous promet la vie éternelle. Voilà pourquoi j'ai la joie. Je vous ai raconté 6 bonnes nouvelles que Jésus-Christ apporte à votre cœur. Vous pouvez lever, le recevoir dès maintenant, dès ce soir. Et une vie éternelle, c'est gratuit, mais ça n'a pas de prix. Tout l'argent du monde ne pourra pas remplacer cette sainte prière que tu as faite. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite. Bonne fête en perspective. Gardez la joie dans le cœur. Sérieusement, gardez la joie. Et le petit sourire. Ayez beaucoup d'amour dans votre famille. Parce que c'est l'amour qui triomphe du monde. Et comme dit la Bible, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est sa grâce qui surabondera tout au long de votre vie. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de paix. Et croyez-moi, Jésus-Christ vous aime plus que tout autre homme sur la terre. Encore désolé du dérangement, je vous souhaite encore beaucoup de joie, beaucoup de paix. Rentrez bien chez vous, protection sur votre famille, sur vos enfants et encore plein de bonnes choses.